Eh bien bonjour à tous, alors on va faire un petit point avant la moisson. Je pense qu'on va tout moissonner au mois de juillet, parce que là on est le dernier jour de juin. L'orge, je vais vous montrer tout à l'heure, je vais vous montrer le blé tendre, l'avoine. Et les cultures de printemps, je vous le montrerai pas, parce que sinon ça va faire trop long. Là c'est un point avant moisson. Vous vous souvenez? La parcelle que je vous avais montrée l'autre jour, assez rapidos quand même, a bien changé de teinte. Bon, les coquelicots là-bas, ça m'embête. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je sais pas si j'y arriverai. Alors ici, où en sont les blés? Je vois qu'il y a quelques trucs qui me plaisent pas. Cet épi noir là, vous savez pourquoi? Il y a eu un puceron qui a piqué ce pied là. Et ici là, on peut voir que les grains commencent à... Putain, ouais, ils avancent. Ils sont en train de virer. Attendez, je vous prends. C'est impressionnant. Le grain, vous voyez, il est déjà orange. Bon, là, maintenant, il n'a plus qu'à perdre l'humidité. Et si on peut voir, quand le blé coude, on appelle ça couder, nous, ici. C'est-à-dire que l'épi descend. Vous voyez, là, il y en a debout. Le barbu, c'est un peu moins flagrant, lui. Il coude un peu moins. Ce qui va être embêtant, ouais, c'est ça. Ça fait comme les orges. Il y aura des épis abattus. C'est ça, dans 15 jours, c'est pour mûr. Et le liseron qui est en train de monter. Bon, si on regarde un peu en loin, en long, en large, le liseron, c'est pas assis là-bas derrière ma caisse. Là-bas, il y a un rond vert. Bon, il y a des régras là, ce champ c'est affreux, mais là-bas il y a un rond de liseron et peut-être un peu là-bas, mais là, ouais, dans... Oh purée, dans 15 jours, ça veut dire que les orges. Une dizaine de jours, les colzas, on va aller voir ça. Enfin, tout va être en même temps, c'est la folie. Parce que là, on a eu 140 mm au mois de juin, ce qui est assez impressionnant. Il y a une sauterelle. Enfin, non, je sais plus ce que c'est, enfin. Enfin, il y a un genre de sauterelle. Et ouais. C'est là qu'on commence à voir les défauts, parce que si on prend ce pied-là... Ah non, c'est de l'échaudage, ça, en fait. Il avait échaudé. Bon, c'est pas des ronds comme... Ah ouais, ça avait fait tellement chaud l'autre jour. Mais sinon, c'est impressionnant. La semaine dernière, le feuillage était encore... De toute façon, on le voit sur l'étal. Ah si, là-bas, on peut le voir. Tant pis, je vous l'enlève. Là, il y a des petits pycnides, là. La septoriose, elle est arrivée tardivement. Le fongicide unique a protégé la feuille... Enfin, les trois dernières feuilles, elles ont tenu assez longtemps. Vous voyez le grain maintenant qui est viré orange. L'épi se coude. Il a eu sa totale. Même, vous voyez, il va pas rentrer dans l'églume. L'églume, c'est l'espèce d'enveloppe qui recouvre le grain de blé.
Par contre, ils sont pas balèzes, les grains, enfin les épis de barbus cette année, tandis que les non-barbus, ils ont la taille correcte. Je pense que c'est dû au petit gel, enfin au petit gel, plein de gel au mois d'avril et mai. Allez, on va aller voir l'avoine. Alors, ces petites avoines se met à la volée. Comment va-t-elle? Ça va être la galère, oh purée. Parce que vous voyez, il y en a qui vont être mûres dans 15 jours, et il y a des tales tardives qui seront mûres je sais pas quand. Enfin, de toute façon, j'aurai pas le temps de m'en occuper avant. Avant, je sais pas quand. C'est pénible cette année parce que ça a tout retalé. Ça a tout retalé en dernier. C'est l'état principal et à l'état secondaire convenu. Et là, il y aura bien de la rouille couronnée quand même. Ah ouais, forcément, on a eu 140 mm depuis le petit. J'ai dit que je vais quand même faire un petit fongi, mais ça reviendra au même. Enfin, ça aura poussé un peu quand même plus loin. Et là, j'avais fait le con, je sais pas. J'avais pas dû voir qu'il y avait du. Ça, c'est du sec forestier et il y a des févroles. Parce que je vous avais parlé, il y avait une petite bande que j'avais pas joint avec le sous-marin en engrais. Et il y avait pas que de l'avoine en fait. Alors ça va finir que ça va faire comme la bande mellifère là. Je vais laisser le mélilo encore, mais la bande mellifère là va falloir que je la broie pour qu'elle se régénère et que ça graine pas de mauvaises herbes parce que je vois qu'il y a quand même des saloperies. C'est bien les bandes fleuries, mais c'est pas évident parce qu'on n'a pas de traitement. Et là, à 2 ans, faut peut-être que je la broie quand même avant que ça monte à graines. Bon, allez. Ce colza, il y en a marre. Il y a eu de la grêle. Mais bon, vous pouvez constater quand même, c'est minime. Les siliques, vous voyez les siliques là, tac, celle-là a sauté, celle-là a sauté. Bon, sinon, par contre, en fin de cycle, on m'avait dit j'aurais de la maladie, oui, là vous voyez, maladie sur silique. Bon, après, c'est pas non plus trop grave. Mais je voulais voir. Non, de toute façon, je vais pas arriver à vous trouver des graines. Bon, je vais vous sacrifier notre SIC. Attendez, je vous reprends parce que c'est pas évident. Voilà. Vous voyez les petites billes noires qui sont déjà pas mal balèzes. C'est les graines de colza dans une silique.
Bon, tant pis, celle-là, je l'ai saccagée. Vous voyez les bananes? Celles-là, elles sont pas mûres. Vous voyez, là, elles sont en train de virer. Comme j'ai dit tout à l'heure, eh ben, il y aura tout en même temps. Râte au four et au moulin. Bordel de merde. Au lieu d'être mûr. Et maintenant, les colzas, c'est impressionnant. Ils ont. De toute façon, vous voyez, il n'y en a aucun qui a une tige sèche. Toutes les tiges sont encore vertes. On voit quand même qu'il prend la teinte marron, mais. C'est pas au mois de juin qu'on le moissonnera. Parce que si on va. Bon, là, il y aurait gras, ça. Parce que je suis content. Ça a bien marché dans le garouille. Garouille, je vous ferai des points plus tard. Là, c'est sur le calcaire. Ils sont à plus de. Ils sont presque à 300 mm depuis le semi du 14 avril. Mais voyez, on pourrait croire au premier abord que le colza est mûr. Mais si on fait un point en bas étage, déjà il y en a en haut étage, ils sont pas mûrs. Mais en bas étage, regardez. Vous voyez que les gousses, enfin les siliques, ne sont pas mûres. Celles d'en haut sont mûres, d'accord. Là, faut espérer qu'il n'y ait pas d'autres orages de grêle. Bon, moi, c'est minime, parce que bon, c'est dispersé. Il y a 2-3 siliques par pied qui sont tombés. Bon, c'est tout le temps embêtant, mais je soutiens, je suis en grand soutien avec mes collègues qui ont grêlé. À 100%. Il y en a, ça fait mal au cœur quand même, tu fais une culture et puis en une demi-heure, ton colza est moissonné au sol. Moi, c'est ce que j'ai eu peur, parce que quand ça a commencé à grêler, tout de suite penser au colza. Vous voyez, il y a des pieds qui sont un peu plus... Mais ça moutonne, hein, y a pas mal d'endroits où c'est pas mûr. Et par contre, là, je vois maintenant les imperfections du désherbage. Quelques chardons, là, j'aurais dû faire un second herbicide au printemps. J'ai pas voulu, j'ai dit, il n'y a pas trop d'herbe, ça va, mais... Il y a un ancien, il disait, fallait pas faire le jardinier et... Et là, tu vois, le jardinier, ben, il a laissé des chardons. Bon, ils arriveront pas à graines, hein. La moissonneuse va passer dedans. On va broyer, on va déchaumer. Sinon, ah, je suis en train de voir un truc, parce que je vous dis, toutes les tiges sont saines. Mais celle-là... Celle-là... Je vais voir. Ah non, c'est du botrytis. C'est pas du sclérotinia. Et sinon, ben là, il y a de l'odium sur une repousse. Mais vous voyez, toutes ces siliques là, si j'ai. Mettons, le gars est complètement tabac, il veut moissonner dans la semaine prochaine, bah, toutes les gousses, les meilleures d'ailleurs, qui ne sont pas mûres, seraient foutues en l'air. Allez, on va aller voir la l'orge. Bon, bah, nous voilà 7 jours après la vidéo sur l'orge. Et comme je vous l'avais dit, bah, l'étal... Les tales primaires sont mûres. Et je vais vous montrer comment sont les... Elles sont en train... Ah, si, quand même, virer pâteuse. Elles ont la pâteuse, comme on dit. Mais... comment on fait? Ça, faut que ça perde toute son humidité. Je sais pas, moi, je vous dirais, elle est peut-être à 20-25 d'humidité, celle-là. Et on voit encore plus flagrant
Vous voyez, c'est quasi mûr ici. Quasi mûr sur cette zone. Là, une travée. Là, c'est pareil. Si je me déplace un peu. Bon, là, il faudra qu'on broie un peu la bordure parce que c'est impressionnant ça, l'herbe. Ouais, pourtant, broyé l'autre jour, mais putain, on n'en finit pas. Merde, où c'est que. Vous voyez là, toutes ces talles là, ça va foutre le merdier ça. Oh, en plus, elles ont plein de maladies. Il y a des grains qui vont sauter en plus. Ceux-là, ils vont aller dans les vents. Là. C'est de la fusariose. Il va falloir être patient. Comme je disais tout à l'heure, va y avoir le blé qui va pousser au cul, on va dire. Si on va sauter dans l'orge, là, je sais pas moi. Ce sera dans le tout début juillet. Vous dire, j'en sais rien. Vers le 6, ouais. 6 juillet, il y aura le colza, l'orge. Alors je sais pas par quoi on embauchera. Et aussi sec le blé. C'est une année de fou. J'ai mon père, il y a longtemps qu'il a pas vu des années comme ça quand même. C'est d'habitude l'orge a fait pas ça. C'est impressionnant là. Vous voyez, c'est quasi mûr là. Et tu te décales sur les caillasses. Tu te décales sur les caillasses. T'as plein de zones avec les épicons repartis. C'est la folie. Bon, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée et puis ce sera place aux moissons après. Allez, salut!